la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. La situation est vraiment inquiétante, Béatrice. Vous ne communiquez plus, Roberto et toi. Et à quoi cela servirait-il de dialoguer? Roberto et moi allons divorcer, parce que c'est ce qu'il souhaite. Je ne suis pas certain que le divorce est ce qu'il y a de mieux pour Roberto. Eh bien, de toute façon, c'est sa décision à lui. Ces choses-là prennent beaucoup de temps. Roberto et toi devez le comprendre. Vous devez bien réfléchir aux conséquences d'un divorce. Et bien sûr. Et vous devez aussi penser aux conditions d'un éventuel divorce. Vous deux avez vécu ensemble pendant pratiquement 10 ans. 8 ans. 8 ans, 2 mois et 14 jours exactement. Et... bien. Pendant tout ce temps, vous avez tous deux construit une vie magnifique et créé ensemble un patrimoine familial. Si c'est à propos des biens que nous avons en commun, tout est parfaitement clair. Roberto et moi avons signé un contrat de mariage stipulant que ce qui est à lui et ce qui est à moi est à moi. D'accord, mais quand vous avez signé ce contrat de mariage, la situation était très différente. À ce moment-là, Roberto n'avait pas la fortune qu'il a acquis maintenant. Et le capital qu'il a pu réunir depuis, laisse-moi te dire, il l'a eu grâce à toi et avec ton soutien. Ah, mais Gonzalo, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de parler d'argent. Laisse tomber. Mais si nous devons parler de l'argent, Béatrice, tu es encore très jeune. Et tu dois quand même penser à ta sécurité financière. Soyons réalistes, Béatrice. Quoi que tu gagnes avec l'atelier de couture, dis-toi que c'est très peu. Et si nous voulons vraiment que cet atelier décolle, nous avons besoin d'un capital. Roberto a de l'argent et... Je ne veux plus rien de Roberto. Mais enfin, Béatrice, s'il te plaît. Gonzalo, je le pense. Si Roberto veut revenir à moi, je l'accepterai avec joie et je ferai tout ce qu'il faut pour en faire l'homme le plus heureux du monde. Mais s'il veut toujours divorcer, alors je ne veux plus jamais le revoir. Ce n'est pas la peine de continuer à chercher Adri. Elle est avec ton amie. Oui, c'est possible, ouais. Mais toi, tu es la peinard comme si ça ne te choque pas. Mais où est le problème? Ils sont tous deux des adultes. S'ils veulent s'en aller, nous n'allons pas les arrêter. Scarlett, détends-toi. Miguel ne l'obligera pas à faire quoi que ce soit. Tu n'y comprends rien. Parce que je suis un homme. Ah, Adriana. Gonzalo, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Dis-moi. Roberto a une liaison? La vérité. Eh bien, que veux-tu que je te dise? Tu le connais, Roberto a toujours été entouré de beaucoup de femmes. Non. La question c'est, est-ce qu'il a une autre femme? Non, mais il est à sa recherche. Marianita, cours! Mais qu'est-ce que... Marianita, cours! Fernando, viens ici. Bien le bonsoir, Marianita. Oh, Fercho. Oh là là! Miguel Angel, c'est magnifique! N'est-ce pas? C'est divin, non, c'est pour attends, quoi faire? Ne touche pas. En fait... c'est une toile de fond. Une toile de et fond. Et c'est très délicat. N'y touche pas, tout est fragile. Bien sûr. Aïe. Non, et non. Ça? S'il te plaît, ne touche pas aux lumières, parce que... tu pourrais te brûler. Ah, c'est sûr.
Tu me donnes l'impression que tu n'as jamais mis les pieds dans un studio de photographe. Oui? Non! Non! Comment peux-tu croire ça? J'étais dans de nombreux studios photos. C'est juste que... je n'avais jamais été dans un aussi grand studio. Dis donc. Tu as un énorme appareil photo. Fais attention, car c'est mon objectif. Oui. Et c'est pour mon travail. Écoute, je t'ai apporté ça. Tu peux le mettre. Pour moi? Oui. Pourquoi avez-vous frappé Fernando? Non. Tu te trompes complètement. Nous autres, frapper Fernando, non. Non. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas vu qu'il est blessé? Écoutez, Fernando s'est fait ça tout seul en tombant. Nous passions par là, nous l'avons aidé à se relever et à se remettre sur pied. N'est-ce pas ce qui s'est passé, Ferchito? C'est vrai, Monsieur Cifuentes. C'est Fernando. Ce qui s'est passé. C'est comme ça, Marianita. J'ai trébuché, je suis tombé, Monsieur Cifuentes m'a aidé. Et nous sommes toujours prêts à vous aider. Si vous voulez, nous pouvons vous emmener à un dispensaire afin qu'il puisse panser vos blessures. Non, merci, c'est bon. Il peut se dépouiller. Mariana. Ça va, tu peux marcher. Aide-moi. Souviens-toi de cela. Tu es toujours à mon service. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Nous nous verrons demain. Entre-temps, sois un gentil petit employé. Viens. Et c'est pourquoi? Pour certaines photos que je vais prendre maintenant. Si tu veux, tu peux te changer là, dans cette salle. Oh. Quoi? C'est que... eh bien, c'est un peu petit, non? C'est bien ça l'idée. C'est pour que tu puisses nous montrer toute ta beauté. Allez, Adri. Ne me dis pas que tu n'as jamais fait de photos en maillot de bain. Non. Si, bien sûr que oui. J'en ai fait beaucoup. J'ai des photos en maillot de bain. Et dans d'autres tenues aussi. Bien sûr. Des tas. Très bien, parfait. Avec toute ton expérience, ça va être très bien. Va te changer. Maintenant? Oui, maintenant. Là-bas. C'est ça. D'accord. Tu as fini de te changer? Oui, j'arrive. 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 Je suis belle. Je suis belle. Belle, belle. Oh. Quelque chose ne va pas? Non. J'arrive. Je suis tellement sexy. Là. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Allez. Adri, tu es vraiment magnifique. Vraiment? Mais si, je te jure que tu l'es. Viens par ici.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as froid? Non. Non, bien au contraire. En fait, il fait très chaud sous toutes ces lumières. Oui, c'est vrai. Les lumières donnent vraiment chaud. Mais détends-toi. Oui. L'idée, bien sûr, est que tu te détendes. Et ne t'inquiète pas. Ce ne sont que quelques photos, rien de plus. Oui. Rien de plus. Tu verras, tu ne sentiras même pas la chaleur. Mets-toi sur le canapé. Là. Heureusement que ce n'est pas si grave que ça, Ferchu. On a pu arrêter le saignement. Et tu seras rapidement guéri, crois-moi. Ah, je t'ai dit que ce n'était rien. N'importe qui peut trébucher et tomber. Qu'est-ce qui se passe, Fernando? Le problème, c'est que je suis tombé et je me suis blessé. Et si tu ne veux pas te blesser, toi aussi, tu ferais mieux d'oublier Cifuentes. Eh bien, c'est trop tard. J'ai déjà parlé à quelqu'un. Et de plus, demain, je parlerai à Gonzalo dès que j'aurai la preuve que Cifuentes fait du trafic. Eh bien, ne lui parle pas. Dis-lui que t'as simplement commis une erreur, que c'est pas vrai, que tu t'es trompé. Je t'ai déjà dit de renoncer. Papa. Tu vois ce que tu gagnes à vouloir te mêler de tout. Quitte ce magasin une bonne fois, Mariana. Trouve-toi un travail ailleurs. Rien. Je suis certaine qu'elle a éteint son téléphone. Elle est peut-être en train de dormir. Peut-être. Eh bien, c'est probablement ce que je devrais être en train de faire moi aussi, comme une gentille petite fille. Voilà, merci beaucoup. En fait, j'ai perdu mon téléphone portable. Il faut que j'en achète un, sans tarder demain. On monte? Non. Non? Tu es vraiment incroyable, toi. Ben quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui est si incroyable? Non mais honnêtement, tu croyais que j'allais accepter d'entrer chez toi aussi facilement? Bien sûr. Après ce qui s'est passé à la discothèque, ça me semblait, comment dire, le chic. Désolée. Non, je comprends, mais à quoi tu t'attendais? Tu voulais une demande en mariage? Mais tu es fou! La dernière chose que je recherche en ce moment, Roberto, c'est un mari, crois-moi. Eh bien, qu'est-ce que tu recherches alors? Ben, m'amuser, quoi. Et tu penses que tu ne t'amuserais pas si on allait chez moi? Je crois que ce sera pour une prochaine fois, mais pas pour ce soir, d'accord? Tu es incroyable, vraiment incroyable. Tu ne sais pas à quel point je peux être compliquée des fois. Surtout ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Ne t'en fais pas pour ça. Sois patient et tu verras. Il faut qu'on y aille moins vite, d'accord? Tu n'as rien à perdre. Dépose-moi chez moi. Allez. Où habites-tu? Dans un hôtel. Ce n'est pas très loin, en fait. C'est parce que je n'ai trouvé aucun appartement depuis que je suis rentrée de Londres. Oui, oui, c'est vrai. Tu viens de rentrer de Londres. J'avais oublié. Bon. Fernando, tu ne vas pas me laisser comme ça? Pourquoi pas? Parce que nous ne savons toujours pas ce que nous allons faire pour obtenir des preuves contre Cifuentes. Bonne nuit, Mariana. Ferchu! Au revoir. Fernando! Au moins, il réfléchit, lui. Papa, puis-je te demander un service? Quoi? Ne raconte rien à Scarlett. Non, je ne veux pas qu'elle s'inquiète. D'accord, je ne dirai rien à la petite. Eh bien, j'espère que nous ne l'avons pas réveillée avec tout ce remue-ménage. La petite n'est pas là. Comment? Scarlett est sortie étudier avec des amis de l'université. Mais il est... Papa, il est 1h du matin et Scarlett n'est pas encore là? Pas encore, mais elle va rentrer. D'ailleurs, elle m'a prévenu qu'elle devait remettre un devoir très long et très difficile. Tu me donnes ton numéro? Je t'appellerai. Quoi? Oui, j'ai vu ton numéro quand tu m'as prêté ton téléphone, ne t'inquiète pas. Aïe, 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 tu es une vraie coquine. Je t'appelle. Ça ne devrait pas être l'inverse. Tu veux bien jouer à mon petit jeu, Roberto? Oui ou non? Oui, je veux vraiment jouer à ton petit jeu. Très bien. Merci.
Alors, tu vas au salon du textile? Oui, je vais au défilé de mode. Les mannequins. Est-ce que tu veux vraiment que je culpabilise? Tu peux culpabiliser autant que tu veux, tu n'as pas besoin de mon aide pour ça. Oui, en effet, c'est vrai. Papa, comment va Béatrice? J'imagine que tu lui as rendu visite hier soir. Oui, j'y étais. Et? Elle m'a demandé si tu fréquentais une autre femme. Ah, je sens qu'aujourd'hui va être une belle journée. Pourquoi? Parce que je le sens, papa. Parce que je sais que la vie va m'apporter une chose merveilleuse. Je peux avoir ce dernier morceau de pain? Non, monsieur, c'est à Scarlett. Mais elle est encore en train de dormir. Ah, je n'arrive plus à dormir. Tu as intérêt à ne pas toucher à mon pain. Une moitié. Non. Tu n'auras pas la moitié. Il me semble que tu es accro à la nourriture. Franchement, je ne sais pas où tu trouves de la place pour mettre tout ce que tu manges, papa. Je me suis couchée vraiment très tard hier soir, si vous le saviez. J'ai bien cru que je n'allais jamais finir. Et comment ça s'est passé? Ah, super bien. Je suis contente de faire quelque chose que j'aime. Les relations publiques, c'est un domaine que je préfère et que je maîtrise bien. Tu le sais, chez moi c'est naturel. Donc tu as fait un bon choix. Ah oui, merci. Des œufs? Ah oui, je veux bien. Ah, j'ai sommeil. Je vais être très honnête avec toi et je vais te dire pourquoi je me sépare de Béatrice. Non, je ne t'ai rien demandé. Mais je veux te le dire. Entre elle et moi, cela n'a jamais vraiment fonctionné sur le plan sexuel. Tous les mariages traversent cette crise et avec le temps, forcément, la passion diminue. Non, dans notre cas, la passion n'était jamais là. En plus de ça, on n'a jamais été vraiment fusionnel. Quand je voulais avoir des rapports sexuels avec elle, elle trouvait toujours une bonne excuse. Et quand elle manquait d'en trouver une, c'était encore pire. Parce que je sentais que je la forçais à faire quelque chose qu'elle ne désirait vraiment pas faire. Pour résoudre ses problèmes, essayez de communiquer. Faites-vous une thérapie de couple. Papa, crois-moi, nous avons tout essayé. Nous n'avons jamais trouvé de solution. Et bien sûr, à la fin, j'ai perdu patience et j'ai commencé à sortir avec d'autres femmes. Il n'y a pas de fromage? Non, Mariana nous met au régime. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais ça? C'est cher, mais n'oublie pas qu'on est pauvre. Oui, pas pour longtemps, chérie. Je vais gagner de l'argent. Vraiment? Comment? Dis-moi. En fait, c'est de pouvoir travailler et en même temps étudier à l'université. Et en tant que stagiaire, on peut se faire des sous et gagner super bien. Mais un stage après une seule journée à l'université, Scarlett? Cela prouve à quel point Scarlett est motivée pour réussir. Bon. J'y vais. Viens, faut que je te parle. De quoi allez-vous parler? Dis-moi, qu'y a-t-il? Allons déjeuner à l'université demain. Écoute, je ne sais pas trop. Scarlett, tu ne peux pas me dire non. J'aimerais visiter ton université. La seule raison pour laquelle tu veux y retourner, c'est pour revoir ce type que tu avais croisé le jour de mon inscription. Oui. Je le savais. Je savais que tu ne pouvais pas te retenir. Tu es beaucoup trop romantique, Mariana. Tu vas à la recherche d'un gars que tu n'as vu qu'une fois dans ta vie. Mais que veux-tu? Est-ce que c'est de ma faute? C'est tellement étrange pour moi. Plus le temps passe, plus c'est difficile pour moi de le sortir de mes pensées. Je ne pense qu'à lui. Je pensais que nous allions au bureau ensemble. Non, je ne vais pas au bureau. Je vais en ville. Faire quoi? Tu ne veux pas savoir. Ah, une femme. Oui, une femme, oui. Je vais la rencontrer et ensuite j'irai au bureau. Eh bien, ton fils sait très bien quoi faire de sa vie, n'est-ce pas? Non, j'ai un fils qui ne fait que chercher des ennuis. Ne t'inquiète pas, papa. Cette femme est vraiment... Elle est exceptionnelle. Cela m'inquiète encore plus. Mariana, tu ne sais rien de ce gars, tu ne connais même pas son nom, ni ce qu'il fait, absolument rien. Et je ne supporte pas de ne pas savoir. Scarlett, tu sais très bien comment je suis. C'est difficile pour moi d'aimer un homme. Et il m'intéresse vraiment beaucoup. Ah ouais? En parlant des hommes mariés, il me semble bien que tu avais dit que tu ne voulais plus entendre parler d'eux. Oui, mais j'y ai réfléchi clairement et j'ai changé d'avis. J'ai le droit d'avoir une vie, j'ai bien le droit de fantasmer et peut-être qu'il se passera quelque chose d'assez intéressant. Allez, Scarlett, qu'en dis-tu? Tu viens avec moi ou pas? Allez, s'il te plaît, dis oui. Ce n'est pas ce que je veux, Mariana, c'est simplement que je ne sais pas encore à quelle heure je serai à l'université avec l'organisation du stage. Puis je pense bien que tu dois travailler et est-ce que tu penses que ton patron te donnera une permission? Mon patron est en prison. Quoi? Je vais tout te raconter ce soir.
Scarlett, tu ne veux quand même pas que j'aille manger seule à ton université, dis-moi. Ce type-là te fait perdre la tête, toute la tête. Tu es carrément folle. La vérité, il me plaît. Salut. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Garcia, vous avez mangé mon pain. C'est que... Mais je plaisante. Mange, papa. Vas-y, mange. Allez, mange. Mmh. Mange bien ton pain. Et prends un peu de café aussi. Mmh. Paponnet, pourquoi est-ce que Mariana a dit que son patron allait être jeté en prison? Mais moi, je n'en sais rien de rien. Ne me mens pas, papa. Tu le sais très bien. Tu vas me le dire. Vas-y. Je t'ai dit que je n'en sais rien. Eh bien, tant pis alors. Parce que tu sais quoi, papa? Si tu refuses de parler, eh bien, malheureusement, je serai contrainte de garder tout ça pour moi. Alors, fais le bon choix. Oh, Mariana, j'ai été très claire la nuit dernière. Je ne veux pas avoir d'ennuis. Mais comme tu le sais, on a déjà des ennuis. Et ce qu'ils t'ont fait la dernière fois, Ferchu? Eh oui! Mais je crois que ça suffit comme ça. Je tiens au reste de mon corps. Il faut que tu comprennes, Fernando. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons absolument mettre Cifuentes en échec parce que sinon, on l'aura sur le dos pour le reste de notre vie. Oh, bien. J'ai compris, j'ai compris. Maintenant, je comprends pourquoi Scarlett te repousse. Mariana... Tu n'es qu'une poule mouillée. Mariana a eu le bon réflexe, point. Attends, Scarlett. Non, pas de mais, papa. Il n'y a pas de mais. Elle a raison. Cifuentes doit être arrêté, sinon il pourrait venir ici pour t'intimider ou t'agresser. Ou même pire, il pourrait très bien harceler Mariana au boulot, tu te rends compte? Ah, Seigneur. Est-ce qu'il s'en est pris à Fernando? Eh ben, juste un petit peu. Il a un œil au beurre noir. Quoi? Je vais lui apprendre, moi, à lever la main sur mon petit ami. Mais où vas-tu comme ça? Laisse-moi m'en aller. Bonjour, belle étrangère. Enfin, on se retrouve. Ça fait plaisir de te revoir. Ici? Parfait. Je t'en prie. Merci. Très bien. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Pourquoi? Parce qu'un homme m'a bien menti ici. Je le savais. Quelqu'un a certainement dû te briser le cœur. Non, ce n'était pas si grave que ça. Mais c'était une expérience désagréable que je ne voudrais pas revivre. Est-ce un avertissement? Es-tu marié? Pourquoi me demandes-tu ça? Réponds-moi. Waouh! Quelle robe magnifique! J'étais sûre que tu l'aimerais! C'est bon, la veste est prête. Félicitations. Surtout à vous, Martika, parce que cette création doit être de vous. Non, ce n'est pas de moi. C'est de toi, alors? De moi non plus. Mais elle est de qui? Martika et moi rêvassions ici sans savoir quoi faire, et alors un ange est soudain apparu. Et c'est cet ange qui a conçu cette robe en une nuit. Vas-y, réponds-moi. Non, non. Je ne suis pas marié, mais c'est la seule question personnelle à laquelle je vais répondre. Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu commences déjà par lui demander son nom. Puis ce qu'il fait, s'il travaille, s'il étudie, des questions sans importance parce que le nom n'a aucune importance. Parce que lorsqu'on y réfléchit bien, cela importe peu si on travaille, ce qu'on fait dans la vie, si on est riche ou encore si on est pauvre. Ce qui importe, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui est important selon toi? Ce que nous ressentons. Quels sont nos rêves les plus chers? Quelles sont les choses qui nous font rire? Celles qui nous font pleurer? Qui aimons-nous ou encore qui nous n'aimons pas? C'est la vie, tu sais. Pas nos noms, pas notre job, pas notre fortune. Par exemple... Je vais te faire écouter un truc. Et dis-moi si tu aimes.
Martika, va te reposer. Tu as l'air de ne pas avoir dormi. Eh bien, la vérité est que je n'ai pas dormi, Madame Béatrice. Oui, oui, Martika va dormir. Je suis sûre que Madame la ministre l'aimera de toute façon. Oui, je l'espère. Mais je vais vous voir cet après-midi, d'accord? Non, je te verrai demain. Demain, vous dites? Aïe. Je vous remercie beaucoup, Madame Béatrice. Bonne journée, Monsieur Juan Carlos. Au revoir, Martika. C'est magnifique. C'est magnifique, tu ne penses pas? J'adore. Dis-moi un peu plus sur la femme qui l'a créée, s'il te plaît. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une vendeuse de l'un des magasins de Roberto et... Elle est belle. Comme ses créations. Oh, tu l'aimes bien. Béatrice, tu sais que je ne suis pas douée avec les femmes. Oh, Juanca, ne sois pas si timide. Si une fille te plaît vraiment, n'aie pas peur, lance-toi, vas-y. Tu aimes? Beaucoup. C'est ma chanson préférée de la semaine. Eh bien, ça pourrait être ma chanson préférée aussi. Alors, tu vois? Quoi? Qu'il y a des choses plus importantes que de connaître les noms. Non, tu peux garder le lecteur MP3. Non, je n'accepte jamais de cadeaux d'étrangers. Non, mais ce n'est pas un cadeau. Je suis convaincue que nous nous reverrons, toi et moi. Et ensuite, tu pourras me le rendre. Mais en attendant, tu peux écouter la musique que j'aime et apprendre à me connaître un peu mieux. Comment vas-tu apprendre à me connaître si tu ne sais même pas comment je m'appelle? Je me souviendrai de toi. Je me souviendrai, par exemple, à quel point tu étais belle et rayonnante à notre premier rendez-vous. Cela me rendra vraiment très heureux. Et tu ne veux même pas connaître mon prénom? Pourquoi? Marianita, tu es en retard. Oui, j'ai eu un contretemps, Monsieur Cifuentes. Je suis désolée. Je ne te réprimande pas. Pas de souci. Tu es comme la reine de ce magasin. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. C'est juste que tu as l'air nerveuse. Il n'y a aucun problème, monsieur. J'espère que tu n'es pas préoccupée par l'accident de Fernandito. Non. Bien sûr que non. Je sais déjà que c'était un accident. Fernando fera attention maintenant, monsieur. J'espère que tu le seras aussi, en commençant par rester loin de l'ordinateur et arrêter de fouiner dans la comptabilité. Mais je dois aussi faire l'inventaire du magasin et c'est comme ça. Eh bien, on le fera ensemble. Y a-t-il quelqu'un pour me servir ici? Ça fait plus d'une demi-heure que je suis là debout à attendre. Toi, tu travailles bien comme vendeuse ici, non? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Si vous voulez, je peux peut-être vous aider, madame. Je m'occuperai de vous plus tard. On ne doit pas y passer toute la journée, mon chauffeur est mal garé, je n'ai pas besoin d'une amende de plus. Heureusement, Marie, ce sale ordure de Cifuentes n'est pas au courant que je suis ta sœur. Papa te l'a bien dit, n'est-ce pas? Oui, et tu devrais être reconnaissante car je suis venue ici pour t'aider, Marie. C'est bien trop dangereux, Scarlett. Très bien, ce n'est pas pour rien que toi et moi nous sommes sœurs. On doit être soudés dans une telle situation, c'est quoi ton plan? Parce que tu as bien un plan, non? Eh bien oui, ce que je veux faire, c'est obtenir des copies des fausses factures et me débrouiller pour les envoyer par email à White Textile parce que je ne peux pas les imprimer. Car ce type se méfie de moi. Regarde-le. Super plan, serait, tu es si intelligente. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais distraire Cifuentes. Pendant que toi, tu cherches les preuves contre lui qu'on enverra à White Textile. Ça marche. Mais fais attention. Ah, monsieur, il faut vraiment que vous m'aidiez parce que cette fille n'a vraiment rien dans la tête. Venez m'en aide, s'il vous plaît. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je donne un petit coup de neuf à ma maison, en fait. Je cherche du tissu pour des rideaux. Mais pas n'importe quel tissu, quand même. Je veux ce qu'il y a de meilleur. Alors oui, j'ai quelques pastels. Très jolis. Montrez-les-moi. Attendez, je vais vous montrer d'autres couleurs. Où sont ces papiers? Je ne sais pas. Je pense que la crétonne serait bien. Oui. Une crétonne serait pas mal, mais il faut que le tissu soit discret quand même, parce que je n'aime pas quand c'est trop coloré, non, c'est pas mon truc. Oui. Oh, c'est stressant.
Grâce à l'exonération fiscale, nous serons en mesure de donner à la Fondation un budget plus important et tu pourras décider de ce que tu veux dépenser, Monsieur le Président. Ça ne va pas ? Je n'arrête pas de penser à cette vendeuse qui est en train de se donner tant de mal pour prouver une éventuelle contrebande. Et quoi faire si elle a des ennuis ? Donc, tu penses vraiment qu'il y a un contrebandier parmi le personnel du magasin ? Je suis sûr que cette femme est en train de dire la vérité. Angela, j'ai besoin de parler avec Jiménez du département audit. J'ai besoin de le voir immédiatement. Je dois parler à la vendeuse. Donnez-moi une seconde. Je vais aller la chercher. Quelqu'un d'autre doit faire le travail à votre place, c'est ça ? Non, j'ai besoin d'un homme pour m'aider, pas une femme. Et si vous me dites que vous ne pouvez pas m'aider, eh bien tant pis, je vais chercher dans un autre magasin. Non, ce ne sera pas nécessaire. C'est juste que les crétonnes... On oublie les crétonnes, on passe à autre chose. Montrez-moi le tissu qui est en haut à droite. Ici. Celui-là, là-bas ? Eh bien, vous voyez, ce tissu n'est pas exactement un tissu de rideau. Qui a besoin de rideau ici ? Il n'y a pas de problème, je vais amener ce tissu tout de suite. Très bien, merci. C'est juste que je dois trouver une échelle, et l'échelle est... Mais Cifuentes est un employé digne de confiance. Il travaille pour l'entreprise depuis plus de 5 ans. Et pour faire une enquête sur lui à cause de quelques ragots, je pense que c'est un peu exagéré. Est-ce que Cifuentes est votre ami ? Monsieur Roberto, vous savez bien que les auditeurs n'ont pas d'amis. Et alors ? Je dis juste qu'il s'agit d'une personne qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Et surtout, il n'a jamais été soupçonné. Il s'est toujours comporté comme un employé honnête. Je pense qu'avant de l'accuser, nous ferions mieux d'avoir la preuve. Écoutez, vous aurez la preuve seulement une fois que vous l'aurez audité, pas avant. Oh mon Dieu, elles sont où ces maudites factures ? Ce tissu-là aussi ? Celui-là ? Très bien. Oui, c'est bien celui-là. Oui, complètement à droite, non plus haut. Oui. Mariana ! Mariana, mais qu'est-ce que tu fais ? Mariana, laisse cet ordinateur tranquille ! Attendez une minute. Monsieur, monte ici. Je dois régler quelque chose. Non ! Vous n'avez pas idée à quel point j'ai besoin de ces rideaux ! Je ne supporte plus ces rayons de soleil, c'est pas Mariana, bon pour les yeux ! Monsieur ! Je mets à jour l'inventaire, Monsieur Cifuentes. Fais-moi voir. Vous avez l'air nerveux, ça va ? Écoutez, vous savez quoi ? Je vais me plaindre immédiatement auprès de la direction pour votre service merdique que vous n'êtes qu'un incompétent. J'appelle Monsieur White. Vous connaissez Monsieur Roberto ? Vous me demandez si je le connais ? Eh bien, nous sommes voisins. En plus, nous habitons dans le même immeuble. Sachez qu'on ne va pas en rester là parce que vous avez été vraiment impoli. Calmez-vous. Ne vous en faites pas, Monsieur Cifuentes. Je vais m'en occuper pour vous. Toi, tu restes ici. Non. Elle a envoyé cet email à la moitié de la société. Et il n'y a plus aucun doute. Voilà pile la preuve dont Jiménez avait besoin pour agir. Bonjour, Jiménez. Est-ce que vous avez vu ? Oui, Cifuentes est coupable, sans aucun doute. Oui. Abus de confiance, contrebande, falsification de documents légaux. Bref, le bouquet complet. Nous devons le dénoncer au bureau du procureur, afin qu'il puisse émettre un mandat d'arrêt. Tu étais dans la comptabilité pour faire quoi ? Lâchez-moi tout de suite, Monsieur Cifuentes. Les fouineuses meurent d'une mort rapide, compris ? Et les contrebandiers finissent toujours en prison. Sors d'ici, Mariana, sors de là. Allez ! Et toi, tu pensais que je n'étais qu'un lâche, hein ? Hein ? Tu t'es trompé. Bon, Fercio, partons. Fernando, allons-y. Viens. Angela. Appelle le magasin du centre-ville. Je dois parler au gérant. Merci. Cette femme a mis son nez dans tous les documents. Encore heureux qu'elle ne pouvait rien imprimer. Allô ? Bonjour, Monsieur Cifuentes. Ici Angela, du bureau du président. Monsieur Roberto White veut vous parler. Quoi ? Monsieur Roberto White ? Oui, je vous le passe. Bonjour, Cifuentes. Monsieur Roberto ? Comment allez-vous ? Bien, merci. Je souhaiterais vous parler de quelque chose. Moi ? Mais je... Pourquoi donc, Monsieur Roberto ?
à propos de la possibilité de vous nommer directeur du département commercial. Du département commercial, directeur ? Moi ? Monsieur Roberto, merci beaucoup. Alors venez à l'usine pour qu'on puisse en parler. Monsieur Roberto, je pars tout de suite du magasin. Il se met en route. Alors rendez-moi un service, allez tout de suite parler au département juridique pour que les avocats forcent le bureau du procureur à se dépêcher avec ce mandat d'arrêt. Je veux que quand Cifuentes arrive enfin ici au bureau, la police l'attende à la porte et qu'on lui passe les menottes. Et emmenez immédiatement au magasin pour que vous fassiez le titre. Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Je ne sais pas, Scarlett, ce n'était pas vraiment nécessaire de faire tout ça pour distraire Cifuentes. Elle a fait quoi ? J'ai juste fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Vous vous attendiez à quoi ? De quoi est-ce que je... De quoi est-ce que j'aurais dû lui parler ? Peut-être des livres que papa aime lire ? Ben non. Non. Je ne pouvais pas faire mieux, désolée. Non, je ne pense pas. Tu t'es quasiment déshabillée devant lui. Mais qu'est-ce que tu lui as montré ? Ben rien. Je ne lui ai rien montré. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Parce que tu as bien un plan. Non ? Marie a toujours un plan. D'accord, bon, occupe-toi bien de tout jusqu'à l'arrivée de mon remplaçant. Votre remplaçant ? Je viens d'être nommé comme directeur commercial. Et la première chose que je vais faire est d'obtenir un nouveau directeur pour cette filiale. D'accord, nous devons faire attention parce que Monsieur Cifuentes est capable de tout. C'est exactement ce que je me disais. Parce qu'après ce qui s'est passé la nuit dernière, nous devons être quand même aux aguets. Je ne veux pas trébucher, ou encore moins tomber, ni me faire frapper à nouveau. Ma chérie, tu ne dois pas aller à ton stage ? Mais quel stage ? Comment ça, quel stage ? Scarlett, celui que tu as reçu à l'université, t'as déjà oublié ? Non. Marie, je suis déjà très en retard, alors tant pis. Comment ça, tant pis ? Pas question, mademoiselle, tu vas à ce stage ? Scarlett, s'il te plaît, vas-y, et peut-être que tu pourras rentrer un peu plus tôt à la maison. Non, je ne peux pas te le promettre. Parce que j'ai déjà planifié de faire autre chose. Je viens de me rappeler que j'ai des cours après mon stage. J'ai tellement de choses à faire. Ah tiens, j'ai oublié que je devais aller étudier chez une amie après. Quelle amie ? C'est juste une amie. Occupe-toi de tes affaires. Je crois que... Tu poses trop... Ah, ne touche pas, ça ! Je prends juste un peu... Tu vas arrêter, je vais dormir chez Adriana ce soir. Je serai en sécurité chez elle. Personne ne viendra me chercher là-bas. Je pense que c'est une bonne idée. Parfait. Peut-être que tu devrais aller au boulot. Je ne veux pas que tu te fasses virer, Fercho. Parfait, je suis contente. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Nous devions nous dépêcher, mais ça en valait la peine. Elle est magnifique sur toi, Victoria. Tu es prête pour le Conseil des ministres. Et tu sais ce que j'aime le plus ? Que ce soit moderne. Elle est chic et tendance, et elle est définitivement originale. Béatrice, cette robe est digne de tes créations. Mais évidemment que c'est une création de Béatrice Durand. Pourquoi n'essayez-vous pas la veste ? Comment ça, tu as rencontré le jeune homme de l'université ? Raconte. Oui, mais tu sais, c'était vraiment très étrange parce que j'allais au magasin et devine, il était là à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Rien, nous sommes allés prendre un café et nous avons parlé un moment. Ah, c'est super, Marie. Il s'appelle comment ? Dis-moi tout. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est comme dans une sorte de jeu, tu comprends ? Oh, Marie. Ah, oh, Mariana. Je ne te savais pas aussi coquine, tu caches bien ton jeu. Ah, Mariana ! Oh non, non, madame. Pas le genre de jeu auquel tu penses, Scarlett. Comment as-tu pu ? Pas question. C'est plus... C'est totalement innocent, mais tellement amusant. Regarde un peu ce qu'il m'a donné. Regarde ça. Il m'a laissé son lecteur MP3, tu vois ? Est-ce qu'il te l'a prêté ou est-ce qu'il te l'a offert ? Il me l'a prêté, enfin. Tu crois que j'aurais accepté un cadeau d'un étranger ? Je ferais pas ça, jamais de la vie. Les chansons sont vraiment belles. Et on doit se voir demain pour le déjeuner à l'université. Oh Marie, ce type n'est bon à rien. Si vous vous croisez à l'université, eh bien c'est parce qu'il travaille là-bas. C'est tellement évident, tu ne crois pas ? S'il travaille là-bas, c'est qu'il doit être professeur. Et c'est nul, car les professeurs sont pauvres. Mais je ne peux pas le savoir, ça fait partie du jeu. Je n'y comprends plus rien. Explique-moi bien. Félicitations, Béatrice. Tu es la seule et l'unique à coudre pour nous les vraies femmes. Toutes les autres ne cousent que pour les femmes minces. Ouais, les vêtements pour anorexiques, quand la réalité est que 70% des femmes font une taille 36 ou plus. Mais alors, pourquoi les créateurs ne font décidément rien pour nous ? Parce qu'ils pensent que leurs clients sont des adolescents, des reines de beauté, des mannequins, mais ce n'est pas vrai. Avec Béatrice, nous créons une nouvelle ligne de vêtements pour les vraies femmes de toute taille, allant du 36 aux plus grandes tailles. Eh bien, c'est génial, Béatrice. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que
C'est encore un projet, en fait. Mais c'est un projet que vous devez réaliser. Juan Carlos ne t'a pas parlé de la possibilité d'exporter ? Cette ligne de vêtements pour des vraies femmes, je pense que ce sera parfait pour toutes ces grandes et belles chaînes de magasins américains. Bien sûr, Victoria, nous en avons déjà parlé. Eh bien, je vais appeler mon ami et lui dire de venir et vous lui donnerez quelques échantillons. Merci, Victoria. La mode pour les vraies femmes. J'adore vraiment cette idée. Et comment vas-tu récompenser cette vendeuse ? Je vais d'abord parler avec elle. Enfin, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Tu n'es pas curieux de la rencontrer ? Eh bien, pardon. Allô ? Bonjour, Roberto. C'est Scarlett, avec deux T. Bonjour, Scarlett, avec deux T. Tu as pensé à moi ? Oui. Oui, bien sûr. Oui, beaucoup. C'est bien. C'est bien parce que... J'ai besoin que tu me viennes en aide. Adri et moi aimerions beaucoup participer au défilé qui aura lieu au Salon du Textile. Et c'est là que tu interviens, je t'explique comment. D'abord, tu peux nous aider à obtenir un contrat, Mais bien sûr, avec un super salaire. Tout comme les pros de ce milieu. Qu'est-ce que t'en dis, Est-ce que tu vas m'aider, oui ou non?